Salut! Donc, on va juste vous placer. Tiens, on excuse le petit gris. La barre de gris. Donc. Salut! Tu me laisses faire la vidéo, s'il te plaît? Tu regardes tes émissions? Oui. Merci. Alors, prépare un envoi pour quelqu'un qui a offert une contribution volontaire pour cette carte donc de Joe Sakic que j'ai pris le temps de signer en écrivant la date, d'intituler et d'écrire la date de création. Donc, voilà, on va procéder à l'emballage. Comme il n'y a pas de courrier aujourd'hui, oui, je vais l'emballer, la mettre dans l'enveloppe. Un emballage sans emballe. Donc, je vais... Voilà. Bon, on manque d'encre. Et voilà. Donc, on profite de faire un autre petit dessin. Ceux qui sont déjà habitués de faire affaire avec moi pour des cartes savent que ça fait partie de ma de la tradition, si on veut. Donc voilà. Pris le temps aussi de mettre un tape bleu parce que faire le bleu des Nordiques, donc Si tu la laisses dedans avec ce tape-là, je suis sûr que ça facilite l'imagination pour aller chercher le bleu. Je n'irai pas faire avec le bleu de mes yeux. Tiens. Excellent. Donc, c'est à l'heure-là. Il est présentement 1h05. On est mardi. Mardi? Oui, mardi. Donc, mardi, le 10 mars. Donc, Lily, s'il te plaît. Alors, voilà. Faire les extrémités. Faire les choses en bonne forme. Voilà. Si jamais on veut me cloner, il y a assez d'ADN là-dessus. Si on veut me faire pister par un chien. Donc, oui, comme certains ont pu le voir ce matin, j'ai arrêté la vente d'une carte, appelez ça comme vous voulez, donc une sketch. Donc, celle-ci, en raison du mot fondation, je savais qu'il fallait que le mot pour utiliser le terme fondation, ça prend une lettre patente et tout le tralala. Mon frère a une fondation qui est toujours active, mais je voulais pas me servir de ça. Puis je pensais que la nature humaine étant ce qu'elle est, en fait, ce que je croyais qu'elle était, aurait eu une certaine grandeur d'âme et m'aurait laissé un passe-droit. Ça a l'air que non, tu sais. Puis, dire, si des esprits, je ne dis pas mal tourné, mais s'il y a des gens assez croches juste ici au Québec pour me faire ça, imaginez si c'est disons que la carte se serait vendue à un Américain qui était mal intentionné, puis que son but était juste de me faire du mal par la suite. Je pense que ça n'aurait pas été mieux. Puis on se mettra pas, on se fera pas faire une poursuite de quelques milliers de dollars, voire un emprisonnement pour une vente de 5 dollars ou à peu près. Donc on verra pas fou. Alors voilà, j'ai préféré l'annuler. Je sais que la carte va se vendre. J'ai une personne qui avait déjà manifesté son intention de l'acheter. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Puis, j'en profite pour remercier les autres. J'ai eu plusieurs commandes spéciales
des demandes spéciales, dont des Bernard Parent. Un autre, c'est Eric Lindros, Future Superstar. Et j'ai même eu des commandes personnelles. Des gens qui veulent, qui m'ont envoyé des photos, qui veulent que je représente leur enfant dans une activité quelconque. Alors, je vois que mon art, s'il en est un, plaise à plusieurs. Donc, pour ça, je tiens à remercier les gens. Bon, ça fait pas un beau... Ça va partir. Hein? C'est ça. Maudit crayola en manque. C'est pour ça qu'il faut que je m'achète des Sharpies. Je reviens. Bon. Papa, il a besoin d'un marqueur qui marque mieux. Parce que celui-là, il laisse des grosses bavures. Ben c'est ça, là, je salis. Le monsieur va se saler les mains plus que d'autres choses. Monsieur. Le monsieur qui a acheté la carte. Donc. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jack. Alors, on va essayer avec des crayons comme ça, qui ont été achetés à l'origine pour le pool de hockey. Alors, voilà, ce qui donne un bon résultat. Bien gras. Voilà. Hein. Voilà. Donc, mon habituel est désormais traditionnel papier collant rouge. Si tu veux, on est dans la roulette de tape à 10$, mais au moins on sait que ça tient. Alors voilà, ton enveloppe est prête à partir. Il est 1h, donc ton enveloppe partira à 3h au moment où je vais aller chercher les enfants à l'école. Donc aux autres, je vais en profiter de montrer quelques petits dessins. Merci. Donc on finit par apprendre à bien parler à force de répéter. Donc la désormais célèbre Gretzky recrue. Ça, c'est la préférée de ma femme. OK. Si on remarque, partout où il y a des yeux, donc le pingouin a des yeux. Donc, vous avez ma signature là. Et évidemment, le visage de Mario. Alors, ici, Martin Brodeur recrue. Même si j'ai omis au bas d'écrire son nom. C'est pas grave. C'est une carte qui me plaisait bien. C'était celle de Gretzky lors de la transaction... qui, étonnamment, survient dans la même semaine d'un épouvantable événement dans ma vie. Donc, pour ceux qui ont lu la description, vous pouvez faire un lien. Ici, Brettol recrue. Là, on voit, j'ai oublié de compléter le bleu dans le logo et je ne l'ai pas signé, bien, sauf dans pleine face. Donc, ça va être à faire. Pour moi, c'est une œuvre ratée, mais j'ai un ami qui l'aime bien, Michael Jordan, donc que je veux pas noircir parce que j'ai l'impression que ça va comme enlever un peu au charme. Un peu ici comme ici, si je commençais à mettre du rouge. Donc, Maurice Richard, c'est quoi? C'est 1958-59 Parker, ce qui a été l'inspiration. Ma préférée, la Guy Lafleur recrue. Donc, on dirait Homer Simpson avec des cheveux des favoris, mais c'est ma façon de faire Guy Lafleur. D'autres, ouais, je l'ai fait en noir et blanc d'abord, donc on peut dire que c'est l'effet est raté, mais ça reste là quand même. Petit clin d'œil à la recrue de Gretzky. Ici, même chose avec Bobby Orr recrue, donc complètement raté. J'ai refait en couleur, et c'est pas, c'est ce que c'est. Donc, j'ai pas la prétention de me dire un artiste, quoique j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a payé pour mon art. Donc,
C'est très flatteur. Et une Jacques-Plante, qui ne ressemble nécessairement pas à Jacques-Plante. Donc, une carte, c'est 57-58, je crois, ou dans ces eaux-là. Donc, Parker, ben, j'allais ici sous les yeux. Et, si vous voulez, à titre de comparaison. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, c'est... Alors voilà, c'était quelques petits dessins. Alors, je vais terminer cette vidéo encore une fois en remerciant M. Jack Archambault. Un grand merci de votre contribution volontaire. Il se peut qu'on ait l'occasion de se rencontrer à l'Anti-Expo. Alors, je serais bien content de vous serrer la pince et de prendre un café en votre compagnie. Puis... voilà, donc je tiens à remercier tous ceux et celles qui me supportent dans ma démarche et comme je peux pas plaire à tout le monde, ben, je vous ferai pas le doigt d'honneur, même si c'est quelque chose qui vient de m'effleurer l'esprit, mais je me dis, quand il y a quelque chose qu'on reproche à des gens, c'est qu'on est souffrant. Alors, je suis peut-être pas assez pratiquant à me dire que je vais prier pour vous, mais disons que je souhaite que vos anges vous apportent un certain réconfort pour que vous puissiez parvenir à un niveau de bonheur supérieur, puis de laisser les gens qui tentent de s'en sortir faire ce qu'ils ont à faire. Là-dessus, chers amis et les autres, une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Salut.